le traducteur de Pets. Je vous avais dit que Loua était géniale. Qu'est-ce qui vous fait rire? Loua raconte les meilleures blagues de toute la vallée Biberon. Ah, moi aussi je veux rigoler. Moi aussi. Mais Lucie, je comprends rien en fait. Ben moi non plus. On veut tous comprendre Loua. Calmez-vous les bébés. Vous allez maintenant découvrir notre médium. Tina. Je vous attendais. En quoi puis-je vous aider? On voudrait... Ne me dis pas. On aimerait bien pouvoir comprendre Loua. Vous voulez pouvoir comprendre Loua? J'ai juste ce qu'il vous faut. Et voilà, le casque des mots. Oh, j'adore le nom. Et ces lumières, elles sont juste trop mignonnes. On va l'essayer. Allez, Loua, raconte-nous une blague. Dans la vallée, on m'appelle la chèvre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est trop fort. Dis, Lucie, tu pourrais pas lui permettre de rester ici le week-end? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, si vous voulez. Pourquoi la mère ne sèche jamais? Parce qu'elle n'a pas de serviette. Trop drôle. Trop fort pour raconter des blagues. Je sais faire d'autres choses. Regardez. Je suis un martien. Je viens envahir votre planète. Je suis un robot. Bip, bip, bip. Je suis un monsieur moustachu. Qu'on n'ait jamais vu. Je suis si drôle, je t'offre une glace aux étoiles filantes pour te remercier. Et moi, je te donne des bulles danseuses. Et moi, je t'offre une tempête de paillettes. Loua, 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 Loua. Loua, on y va. Enlève ton casque. Je veux pas, faut que je fasse mon show. De la comédie, tu sais. T'es une quoi? On voudrait que Loua reste quelques jours de plus. Elle est tellement drôle. Oui, mais on doit rentrer à la maison. Allez, Lucie, sois pas comme ça. Laisse nos gens encore un petit peu avec Loua. Bon, d'accord. J'espère que je te manquerai un petit peu quand même. Je vous présente la superstar Loua. Un artiste a aussi besoin de se reposer. On t'attend devant l'arbre géant. Allez! Mais j'étais en train de jouer. Dépêche-toi, tu joueras plus tard. On t'attend dans les nuages en coton. Ouais, Loua, faut qu'on retrouve. C'est quoi la fin de la blague du pompier? J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. Ah, voilà Loua. Loua, 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 Loua. Non. Loua, Loua, Loua. Une autre blague. S'il te plaît, le robot. Allez, viens. Loua. Loua, Loua. Est-ce que ça va? Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Je veux plus raconter de blagues. Je veux rentrer à la maison avec toi. Oh, on a un peu exagéré, non? Mais c'est parce que t'es trop drôle. On passerait nos journées à t'écouter. Attends, je t'enlève le casque. Lou a dit qu'on reviendra un autre jour. Là, c'est vraiment l'heure d'aller au lit. Ah, Lucie, je te promets que la prochaine fois, on s'occupera très bien de Loua. Ne t'inquiète pas. Fantasy Magic Tear! Ouais! Ouais. Super! Super! Ah. 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 Cry baby! Cry baby!
Tears. Un monde magique plein de super aventures. Hi, baby. Des glaces multi-parfums. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Pourquoi vous venez pas ici? C'est merveilleux. C'est nous, on n'a jamais trop chaud. On reste bien au frais sur notre petit nuage. Je crois que j'ai une idée pour que tu aies moins chaud. D'accord, mais dépêche-toi. J'ai le cerveau qui va fondre. Waouh, mon cupcake s'est transformé en glace. Pas ma poussette, non. C'est délicieux, hein? Burk, vos glaces sont très bizarres. Oui, ici dans la montagne Fantasy, on fait des glaces avec toutes les choses qu'on aime. Et nous, on adore ça. La mienne est délicieuse. Tu vois? Je vais goûter. Je vais goûter. C'est trop bon. Bien sûr, ça a le goût de cupcake et pas de choses. Eh ben moi, je préfère les parfums des choses qu'on trouve ici. D'accord. Et si on mélangeait mes cupcakes avec vos drôles de glaces? J'en ai fait des tas. Je crois que si on les mélange avec tous ces objets, on aura des glaces qui plairont à tout le monde. Quelle bonne idée! Un chapeau plus de la fraise, un chapeau fraise. Un biberon plus du chocolat, un choco-biberon. Un ballon plus de la vanille, un ballon vanille. Ce parfum est très original. Oui, c'est vraiment rafraîchissant. On va appeler ça la fusion magique. Allez, venez. Oui, allons en préparer plus. Ça rafraîchira tout le monde. Et apportez les glaces chez moi. Et chez moi aussi. Et chez moi aussi. Alors, comment je vais faire pour livrer toutes ces glaces? J'ai une surprise pour toi, Conille. Vas-y, tu peux regarder maintenant. Ouais. J'ai fait des améliorations sur ta poussette. Comme ça, tu pourras livrer des glaces à domicile. Super! Alors, en avant les glaces! Oui, oui! Super! Quoi? Nous sommes bien quand on fait des glaces. Des glaces! Elles sont très bonnes! Des glaces! Une glace à la vanille, s'il te plaît. Et voyons quel goût ça a au tambour. Voyons ce que ça donne avec un tambour. C'est trop rigolo! Alors, de la glace, 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 de la glace. Merci. Eh ben moi, je vais me faire une glace au snowboard. Et voilà, il y en a plus. Ça y est. Ça, c'est pas le parfum que je t'avais demandé. Tu peux m'en faire une autre? Je veux une triple glace. J'ai chaud. Conny, ce sera prêt quand? Attention les bébés, il nous faut... Hein? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, on n'a plus de choses. Regardez, il reste encore ce frisbee. Non, restez là. J'ai besoin des frisbees. Mais revenez. Les bébés veulent de la glace. Rendez-moi ça. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui arrive à Conny? On lui a fait trop de commandes de glace à la fois, j'ai l'impression. Conny, on a trop fait. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la remercier. On va lui faire une surprise. Vous nous aidez? On a choisi nos objets préférés. Et... Fantasy Fusion, transforme-les en glace. Waouh! Des couleurs magiques! C'est énorme! Conny, c'est pour toi. Pour avoir été si sympa oui avec moi. Waouh! C'est la glace la plus délire rafraîchissante du monde. Magic Tears! C'est un stand de glace self-service. Ouais! Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Super! Quelle bonne idée! Eh ben moi, je préfère quand même le parfum des choses. Cry Baby's Magic Deals. Un monde magique.
est un youtubeur. Ouf. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde. Et là? Pareil. Et maintenant? On s'ennuie un peu. On pourrait pas faire quelque chose de nouveau? Je sais. On va voir ce qu'ils sont en train de faire dans la vallée. Oh! Oh! C'est quoi ça? On dirait que c'est des feuilles. Et des lettres. Regardez! C'est pour porter des jouets. Laissez-moi voir, laissez-moi voir! Oh, c'est Lady! Des morvans couleurs! J'adore! Ils sont vraiment originaux. Et si on allait leur faire une petite visite? Oui! Oui! Regardez! Léna! Dis, tu veux bien nous montrer toutes les choses que vous faites ici? Des choses d'ici? Oui! Quand vous faites bouger les choses en soufflant dessus. Quand vous faites des formes de morve délicieuses. Et quand vous jouez avec la boîte des lettres. J'aimerais bien. Vraiment. Je dois y aller, là, parce que j'ai plusieurs cupcakes dans le four, là. Tu les fais vraiment au four, Léna? Sans faire de magie, on peut voir? Bien sûr. Je suis capable de faire des tas de choses différentes. C'est à Léna que vous vous adressez. L'influenceuse la plus célèbre de la vallée. Vous pouvez voir tout ce que je fais sur ma chaîne, les choses de Léna. Et là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez avec mes vidéos. J'ai des tas de followers. Oh. Des followers? Mais y a personne là. Alors, elle a parlé d'un canal. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'eau, vous croyez pas? Regardez, ça flotte comme un petit canard. Ouf. Bon ben, on dirait que c'est pas comme ça que... Attendez, vous ne comprenez rien. Je parie que ça marche comme la boîte des lettres. Stop, ça sert pas à ça. Peut-être que c'est le genre de truc qui marche avec une balle. Oh. Ah, mais ça mord ce truc. Aïe. Oh, Léna, Léna, Léna. Oh non. Maintenant, Léna est restée enfermée dans ce truc. Vas-y, Léna. Sors de là, enfin. Attendez. Léna a des moves sympas. Oh, regardez. Salut, les amis. Bienvenue sur la chaîne de Léna. Aujourd'hui, nous aurons la chance de parler d'un livre et d'une morve dégoûtante. Moi, je veux le truc avec de la morve. Et moi, la boîte avec les lettres. Laissez-moi voir. Non, moi. Où est-ce que c'est passé? Ça doit être dedans, c'est sûr. Léna, t'es là-dedans? Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous faites avec mon ordinateur? Hein? Et mes vidéos, elles sont où? Vous les avez effacées? On est désolé, Léna. Mais ma chaîne, mes followers, je suis une influenceuse. Je sais. On va faire des vidéos tous ensemble et on va t'aider à récupérer ta chaîne. Tu dois juste nous apprendre à être des follow-lo-lo-meurs. D'accord, vous êtes prêts? Ça tourne. Non, pas comme ça. Prends-le avec l'autre main. Hein? Je t'ai presque eu avec la morve congelée. Tiens, de la morve brûlante. Morve congelée. Morve brûlante. Écoutez bien, on va s'entraîner. On fait comme ça. Maintenant, à votre tour. Prêt? Ça tourne. Ah, c'est dégoûtant. Ne touche pas. Mon doigt mouillé te poursuit. Je serai jamais populaire. J'ai plus de followers à cause de vous. Hey, mais c'est quoi cette manie avec les followers? T'as pas besoin d'avoir des milliers d'amis sur ta chaîne. Tu nous as nous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des followers? Eh ben, les voilà. On va suivre Léna. Ouais. Vous avez raison. J'ai les meilleurs amis du monde ici même. Fantasy Magic Team. Wow.
la sucette enchantée. Spot, je t'ai dit que les gentils chats n'aboyaient pas la nuit. J'en crois pas mes yeux. Je suis en train d'halluciner. Mais c'est réel! Vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai eu peur. J'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais ça n'existe pas des tétines en diamant. C'est impossible. Il y a encore moi qui vole. Tu as dû rêver, Dottie. Mais nous, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre. N'est-ce pas, Spot? Je trouve ça très étrange. Allez, vas-y, Spot, confesse. Où as-tu mis la tétine en diamant? Mais c'est pas Spot, je vous dis. Dottie avait raison. Ce sont les fantasies. On dirait qu'elles savent quelque chose. Bien sûr qu'on est au courant. Dottie a rencontré la tétine hantée en diamant. Vous voyez, je vous avais dit que c'était la vérité. La légende raconte qu'une fois tous les 100 ans, une tétine en diamant apparaît. Et elle est habitée d'un fantôme très coquin. Il n'y a que les cupcakes qui lui font peur. Une tétine enchantée, tu as dit? Ça a l'air complètement effrayant. Je vais aller faire des tas de cupcakes. Les bébés, n'ayez peur de rien. Il y a un mystère, c'est sûr. Le détective Camille se met à votre disposition pour le résoudre. Si ce fantôme revient, nous serons ensemble et rien au monde pourra nous vaincre. Moi, je n'en crois toujours pas un mot. Les fantômes, ça n'existe pas. Je le découvrirai grâce à ce super déguisement. Hey, réveille-toi, espèce de petit loir. J'ai préparé des tas de biberons et de cookies pour nous protéger. Merci, Connie. Les bébés! Hé, il faut pas les manger, c'est pour faire peur aux fantômes. Qu'est-ce que c'est bon! J'ai même plus peur maintenant. Il est juste derrière moi, c'est ça? Au secours! J'ai l'impression que mes cookies font aucun effet! Délicieux. Mais je croyais que le fantôme avait peur des cupcakes. C'est passé comme une lettre à la poste. Et nous, les cupcakes, comme des télégrammes. Vous auriez dû voir la tête de Dottie quand la tétine est apparue. Aha! Maintenant, je comprends parfaitement tout. Les petits fantômes aiment bien les cupcakes de Connie, hein? Puisque c'est comme ça, on va jouer le jeu. C'est pas grave. Bon, je vais aller à la vallée en chercher d'autres. Oui, moi j'en vais à la fraise. Et moi au chocolat. Tenez, les voilà vos cupcakes fantômes de pacotille. Tu parles d'une légende. Vous voulez bien nous pardonner? C'était juste une blague. Tiens, je te donne ma merveilleuse tétine en diamant. Merci beaucoup. Mais on s'est vraiment bien amusés. J'adore faire des enquêtes. Vous voulez des cupcakes? Regardez, sa larme est bleue. Fantasy Magic Tears. Wow.
une journée sans pouvoir. Aujourd'hui, je vais surveiller la fontaine. Oui. Vous avez vu ma pirouette? Ce qu'on a vu, c'est que tu vas comme une fusée déchaînée. C'est tous les jours pareil. Tu dois essayer de faire un peu attention. J'en ai presque perdu ma jolie fleur. Et moi, mon klaxon. Oh, et moi, ça me stresse. Je croyais que ça leur plaisait quand je volais. Je cause plein de problèmes. Je fais tout mal. Puisque c'est comme ça, j'arrête de voler. Comme ça, je gênerai plus personne. Pas de vol et l'air sera paisible. Et la montagne fantaisie aussi. Attrape-moi. Je vais mettre des marshmallows dans le four. Tu pourras me les surveiller, s'il te plaît? Reviens tout de suite. Bien sûr. Si tu entends un bruit, tu viens en volant et tu éteins le four, d'accord? Oui, oui. Où? J'ai oublié le klaxon. Tu pourras aller me le chercher en volant. Je ne volerai pas. Chez moi, s'il te plaît. C'est de la peinture magique pour les pinceaux magiques. Il faut que j'aille au lac. Merci. Hein? Tiens, essaie. C'est des nouvelles saveurs. Ok. Il fallait que je fasse... Ah oui, le klaxon. Ah! Oh non! La peinture de Rosie! Les pinceaux magiques, ils peignent avec de la glace. Quel désastre. Les marshmallows au four, c'est un vrai cauchemar. Le four, le klaxon. Regarde autour de toi et tu verras ton don. Tu parles de moi, là? Tu ne te rends pas compte? Tu ne t'es jamais arrêté de voler, Jenna. Et quand tu l'as décidé, tout s'est arrêté. Tes vols bougent le monde entier. On a besoin que tu voles. Mais quand je vole, je cause beaucoup de problèmes. Et je ne veux plus du tout vous gêner. Je ne volerai plus. Il s'agit pas de ça. Voler, c'est ta nature, dans le fond. Tu dois juste faire un tout petit peu plus attention quand tu voles. Et c'est tout. Dans ce cas, vole! Je reviens tout de suite. Faites-moi confiance. Oui!
baguette magique. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te trouver, Lisa. Je suis sûre qu'elle est pas loin. Voyons si elle est ici. Et voyons par là. Et encore par là. Je t'ai eu. Viens ici, Lisa. Je t'ai eu. T'as pas le droit de te cacher une fois de plus. Allez, arrête tes blagues. Lisa, où es-tu? Lisa? Ah! Waouh, génial! Ah! Hein? C'est quoi ce livre? Fantasy World? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Lisa! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé. Une baguette magique. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est super, cette baguette. Bien mieux que la mienne. Hein? Lisa? Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh! Elle est vraiment magique. Allez, on va l'essayer. Tu veux qu'on partage? D'accord. Une moitié pour toi, une moitié pour moi. Mais t'as mangé ma part? Non, c'est pas vrai, c'est toi. Tu mens, je veux ma part. Je mens pas, moi. Chut. Hein? J'ai gagné. Impossible. Ce pion n'était pas là tout à l'heure. T'as triché. Tu dis que je suis une tricheuse. Moi? Je veux plus jouer. Va chercher la balle, Spat. Allez, encore une fois, vas-y. Tu me fais trop rire, Spot. Non, mais regarde ce que tu as fait. Bah, ça, je m'en doutais. Ah, bah, on a tout compris maintenant. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai pas eu de gâteau. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ça vous a pas fait rire? J'ai pas trouvé ça drôle du tout. Tu m'as fait perdre. C'est vraiment pas drôle. Tu comprends? Et moi, qu'on me salisse avec du gâteau. Je m'en vais. Moi aussi. Non, mais restez. C'était juste pour rire. J'ai une baguette magique, regardez. Je sais. Fais-moi confiance. Baguette magique. Et nous, on regrette de s'être fâchés. On sait que tu as un grand cœur. Magic Tears! Wow! Wow! Ça, c'est un sacré gâteau. Un échiquier géant. Wow! Trop fort! Merci, Lala. Ah, mais ça, c'est chouette. Vous allez voir tout ce que je peux faire avec ma baguette magique. Hein? Elle était juste là. Dites, vous auriez pas vu Lisa par hasard? Lisa!